Bienvenue dans l'émission La vérité de l'évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je commence une toute nouvelle série intitulée Une meilleure manière de prier. J'ai également un livre sur ce sujet. Le voici en anglais. Nous avons également une traduction en espagnol et d'autres langues. L'enseignement existe aussi sous forme de CD ou DVD. Cet enseignement sur la prière est certainement celui qui est à la fois le plus apprécié et le plus détesté de tous mes enseignements. Soit les gens l'apprécient, soit ils le détestent. Et vous ne pourrez pas rester neutre ou indifférent face à cet enseignement sur la prière. Et je vous garantis que ce que je vais partager sera certainement très différent de tout ce que vous avez pu entendre et ce qu'on a pu vous enseigner en ce qui concerne la prière. Je vais vous expliquer tout cela en plus de détails, mais pour commencer, permettez-moi de vous dire que je pense que la prière est probablement l'une des pratiques spirituelles les plus abusées et exploitées dans le monde chrétien. La plupart des gens pensent que tant que vous priez, tout ira bien. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Et lorsque vous priez de la mauvaise manière, cela peut même libérer la puissance du diable dans votre vie. Je ne vais pas passer trop de temps à développer et expliquer tout cela en détail. J'ai d'ailleurs déjà abordé certains de ces sujets dans le passé, surtout lorsque j'ai développé des enseignements sur Romains 12, 1 et 2. Et un jour, j'ai entendu un enseignement sur la prière lors d'une conférence et je l'ai partagé avec une fille qui était officieusement ma fiancée à l'époque. Et elle a prié et demandé à Dieu de lui donner un cancer, afin qu'elle puisse glorifier Dieu par la manière dont elle faisait face à la mort. Et cette fille est décédée. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était parce que quelqu'un enseignait que tout ce qui vous arrive vient de Dieu et qu'il utilise la maladie pour vous briser et pour se glorifier. Et ce faux enseignement, ainsi que les prières erronées qui en ont découlé, ont provoqué sa mort. De nombreuses personnes sont dans une situation similaire, c'est-à-dire que leurs prières sont en train de détruire leur vie. De nombreuses personnes viennent me voir, il me semble qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et ils me demandent la prière en disant « Pourriez-vous prier pour mon mari ? Cela fait 20 ans que je prie pour lui, que dois-je faire ?» En général, la première chose que je leur dis, c'est de cesser de prier pour leur mari. Et beaucoup de personnes sont prises de court et très surprises lorsque je leur dis cela, car elles pensent qu'il n'y a rien de mal à la prière. On ne peut jamais en abuser et on ne peut jamais trop prier. Eh bien, cela dépend de la façon dont vous priez. En fait, la manière dont beaucoup de personnes prient libère plutôt des choses négatives. Si la manière dont vous priez et intercédez pour votre mari, c'est de passer 45 minutes à dire « Dieu, il ne me traite pas bien, il frappe le chien, il dépense tout notre argent, il est ivre, il est méchant, il ne m'apprécie pas, il ne m'aime pas. » Vous passez 45 minutes à répéter à quel point il est terrible et ensuite vous terminez en disant « Sauve-le au nom de Jésus ». Ce genre de prière ne va pas vous aider et elle ne pourra pas l'aider non plus. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de focaliser votre attention sur tout ce qui va mal. Vous êtes en train de confesser le problème. Et la prière n'est pas une opportunité pour informer votre pauvre Dieu mal informé de la gravité de la situation. Parfois, j'ai l'impression que les gens pensent que puisque Dieu reçoit des demandes de millions de personnes, puisqu'il reçoit tellement de requêtes, il est impératif que la vôtre fasse son chemin jusqu'en haut de la pile. Et c'est pour cette raison-là que vous faites une liste de toutes ces choses en disant « Oh mon Dieu, le médecin a dit ceci ou cela ». Et vous lui donnez tout un tas de détails en pensant que Dieu ne sait pas ce qu'il se passe et que vous devez l'informer et lui expliquer que c'est vraiment une situation de crise, que cette situation requiert une action immédiate. Et toutes les choses que je vais enseigner au cours de cette série vont à l'encontre de cela. La prière n'est pas une opportunité de vider votre sac, de râler et de vous plaindre et de dire à Dieu à quel point les choses vont mal. J'ai entendu Charles Capps un jour qui enseignait au sujet de la prière et il expliquait qu'un jour le Seigneur l'a stoppé en plein milieu de sa prière en lui disant « Charles, que fais-tu ? » Il a répondu « Eh bien, je suis en train de prier. » Et Dieu lui a dit « Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de te plaindre. » C'est exactement ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes ne font que râler et se plaindre. Ils pensent que du moment qu'ils ont commencé la prière avec les mots « dans le nom de Jésus » ou « Notre Père Céleste » et qu'ils ont terminé leur prière en disant « dans le nom de Jésus », ils en concluent que tout ce qu'ils ont pu dire entre les deux sera forcément la prière. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'incrédulité, il y a beaucoup de récriminations, il y a beaucoup de plaintes.
il y a une bonne et une mauvaise façon de prier. Et cette série consacrée à la prière a conduit de nombreuses personnes vers la liberté. Ces personnes m'ont témoigné que cela avait complètement révolutionné leur relation avec le Seigneur. Cela a été l'une des choses les plus importantes qu'elles ont apprises. J'ai également eu d'autres personnes qui sont des amis à moi, qui sont des amis depuis des décennies, qui se sont levées et ont quitté la salle pendant mon enseignement à ce sujet parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Ils pensaient que je m'opposais à tout ce qui leur était cher. Je crois vraiment que la prière est l'une des choses les plus abusées et les moins bien utilisées dans la vie chrétienne, et qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Remarquez le titre, qui est « Une meilleure manière de prier ». Je n'ai pas intitulé ce livre et cet enseignement « Vous êtes du diable si vous ne priez pas de cette manière-là ». Parce que tout ce que je dénonce dans cet enseignement, je l'ai moi-même fait. Pourtant, Dieu m'aimait et j'aimais Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est du diable et que Dieu me détestait, et qu'à cause de cela, il rejetait tout ce que je représentais. Mais après 47 années durant lesquelles j'ai recherché la volonté du Seigneur, j'ai appris certaines choses, et notamment qu'il y a une meilleure façon de prier. J'obtiens de meilleurs résultats aujourd'hui que jamais auparavant. Et je crois que ma vie de prière, ma relation avec le Seigneur, est meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Pourtant, il y a 47 ans, au tout début de ma vie chrétienne, j'aimais vraiment Dieu, et Dieu m'a touché et il s'est passé plein de bonnes choses. Je voyais quelques miracles se produire de temps à autre. Vous savez, c'est un peu comme une vieille poule. Une vieille poule aveugle trouvera une graine de temps à autre, si elle n'abandonne pas. C'est pareil pour vous, si vous persévérez et que vous ne vous relâchez pas, vous finirez par trouver quelque chose. Un écureuil aveugle finira par trouver une noisette de temps à autre. Parfois, je voyais la présence de Dieu et la puissance de Dieu se révéler, et je voyais la réponse à mes prières, mais c'était une occurrence rare tant que je priais de la manière dont cela est enseigné traditionnellement. Depuis ce temps-là, j'ai appris des choses et j'ai découvert qu'il y a une meilleure façon de prier. Et je vous garantis que je vais dire des choses qui vont certainement vous prendre à rebrousse-poil et perturber votre pensée religieuse. Je vais aller à l'encontre de beaucoup d'enseignements religieux concernant la prière. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est faux. Je connais quelques personnes qui sont pourtant des dirigeants et des anciens dans le corps du Christ, qui ont été très contrariés par ce livre. Ils se sont retournés contre la maison d'édition en disant « Comment pouvez-vous publier ce genre de livre ? Cela va à l'encontre de tout ce que nous croyons. » Et je me souviens que la femme de la maison d'édition a dit « Persévérez au-delà du premier chapitre. » Le premier chapitre est tellement offensant. Il va à l'encontre d'un grand nombre de fausses croyances et beaucoup de personnes ne prendront pas le temps de persévérer et de continuer à lire le livre jusqu'au bout. Mais je vous dis que c'est vraiment puissant. Pourtant, beaucoup de gens pensent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Il est important de réaliser que c'est la manière dont Jésus a traité et abordé le sujet de la prière. Regardez ce qu'il a dit lorsqu'il a commencé à parler de la prière dans Matthieu 6, 5, qui fait partie des Béatitudes. Il est écrit « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » La toute première chose que Jésus leur a dit, c'est que les hypocrites aiment prier. C'est le titre du premier enseignement dans cette série. Le premier CD dans la série est intitulé « Les hypocrites aiment prier ». Je veux vraiment mettre l'accent sur ce point. Récemment, un homme est venu me voir, c'était la semaine dernière, en me disant que son enfant était dans sa chambre et qu'il écoutait mes enseignements. Et il est descendu et il a dit à son père, « Papa, tu es un hypocrite. » Son père lui a répondu, « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» L'enfant n'a donné aucune explication, il est remonté dans sa chambre et a continué à écouter les enseignements pendant un moment. Puis il est redescendu en disant, « Maman, toi aussi tu es hypocrite. » Ils n'ont rien compris, donc ils ont fini par monter dans sa chambre en lui demandant de leur expliquer de quoi il parlait. Il leur a répondu, « Andrew vient de dire que les hypocrites aiment prier, vous aimez prier, donc vous devez être des hypocrites. » Cet enfant n'a pas vraiment saisi toutes les subtilités de cet enseignement. Mais lorsque Jésus a commencé à parler au sujet de la prière, il a dit « Ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier. » Saviez-vous que chaque religion dans le monde entier prie? Les musulmans, par exemple, prient entre 3 et 5 fois par jour, je ne sais plus exactement le nombre exact, mais ils ont des tapis de prière et ils se mettent à genoux sur ces tapis et ils se prosternent face à la Mecque pour prier. Il y a également les croyances bouddhistes et hindouistes qui récitent des mantras qui sont également une forme de prière. Où que vous alliez, vous constaterez que toutes les religions aiment prier. Elles mettent l'accent sur la prière. Pourtant, il n'y a qu'une seule façon de prier, c'est de vous adresser à Dieu le Père. Et Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Si vous ne priez pas dans le nom de Jésus-Christ, si vous ne passez pas par Jésus, vous ne pouvez pas vous connecter au Dieu puissant.
Je sais qu'il y en a qui regardent cette émission qui ne sont pas d'accord avec moi, qui pensent que c'est très étroit d'esprit. Pourtant, c'est absolument vrai, vous devez prier et vous approcher de Dieu, le Père, en passant par Jésus. Il n'est pas un chemin, il est le chemin, le seul chemin. Cela signifie que les millions de personnes dans d'autres religions qui mettent pourtant beaucoup d'énergie dans leur prière ne peuvent tout simplement pas se connecter à Dieu le Père. Il se peut même qu'elles soient en train de se connecter à des forces démoniaques parfois. Peut-être qu'elles ne font que s'écouter elles-mêmes, elles apaisent leur propre conscience, mais elles ne sont pas dans une vraie relation avec Dieu. Et même au sein de l'Église chrétienne, il y a énormément de personnes qui passent par le rituel de la prière et elles affirment qu'elles prient. Pourtant, elles ne se connectent pas réellement à Dieu. Si c'est vrai des personnes en dehors de la foi chrétienne qui adressent des prières à Allah ou toute autre divinité, et je pense que la plupart des chrétiens sont prêts à reconnaître que ce que je dis est vrai, alors il faut reconnaître que c'est également vrai de ceux qui sont à l'intérieur du corps de Christ et qui ne prient pas de manière appropriée. Jésus va continuer à développer le sujet de la prière et il va contrer beaucoup de croyances et de pratiques erronées. Lorsque Jésus a commencé à enseigner sur le sujet de la prière, la première chose qu'il a faite, c'est d'expliquer ce que la prière n'est pas. Dans Marc 7, 13, Jésus a dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. » Avant de pouvoir semer une bonne semence et obtenir une bonne récolte, il faut parfois creuser la terre et retirer les pierres et les cailloux. Vous devez vous débarrasser de ces traditions et de ces doctrines des hommes qui annulent la parole de Dieu. Donc il ne suffit pas d'enseigner ce qu'est la prière. Jésus a tout d'abord contré toute cette hypocrisie religieuse et tout un tas de concepts qui s'opposent à la prière. Et je vais suivre son exemple. Et le tout premier enseignement dans cette série s'intitule « Les hypocrites aiment prier ». Et cela annule et va complètement à l'encontre de ce concept selon lequel la prière n'est qu'une forme de rituel. Vous savez, je ne suis pas contre qui que ce soit en particulier, mais je n'ai pas non plus peur de dire la vérité. Je ne cherche pas à rendre qui que ce soit mal à l'aise, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ont des perles et qui adressent un nombre particulier de « Je vous salue Marie » et de « Notre Père » et ils appellent cela la prière, mais ce n'est pas la prière. C'est en opposition directe à tout ce que Jésus enseigne ici. Il dit « Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. » Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Certaines personnes appellent cela la prière. Il y a ceux qui récitent des prières écrites et ils appellent cela la prière. Vous pourriez peut-être écouter ce que quelqu'un d'autre dit et répéter leur prière mot pour mot et cela vous permettrait peut-être d'entrer en communion avec Dieu. Mais dans la vaste majorité des cas, la grande majorité des cas, les gens ne font que prononcer des mots. Ils ne sont pas en train de rentrer dans une relation et une communion avec Dieu. Cela ne vient pas du cœur. La prière véritable, c'est la communion de votre cœur vers le cœur de Dieu. Et ce n'est pas une communication à sens unique, ce n'est pas un monologue où vous dites des tas de choses à Dieu seulement. Vous devez également écouter et permettre à Dieu de vous bénir et de vous parler. Et quoi qu'il en soit, beaucoup de gens aujourd'hui ont transformé la prière en une gymnastique religieuse, quelque chose qu'ils pratiquent principalement pour apaiser leur propre conscience. Ils pensent que s'ils passent un certain temps dans la prière, ils se sentiront mieux, et que d'une manière ou d'une autre, ils deviennent quelqu'un de meilleur. Et que maintenant Dieu leur doit quelque chose. Ils ont donné de leur temps, ils ont récolté et amassé des bons points pour toutes leurs belles prières. Et lorsqu'ils auront un certain nombre de points accumulés, ils pourront les échanger contre la réponse à une de leurs prières. C'est quelque chose que les gens font, mais la plupart du temps, Dieu n'est pas dans ces pratiques. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais il fut un temps où je priais plusieurs heures par jour et j'allumais le minuteur et je me forçais à prier. Et un jour, juste avant de me mettre à prier, je passais un temps merveilleux avec Dieu. Et il me parlait au travers de sa parole. Et je lui parlais et je passais vraiment un moment formidable avec le Père dans la prière. Mais j'ai alors remarqué qu'il était bientôt temps pour moi de passer mes 2 heures quotidiennes dans la prière. Et j'ai dit au Seigneur, « Tu sais déjà ce que je ressens et ce que je pense. Donc je vais être honnête et te le confesser. » Et je lui ai dit, « Je redoute vraiment ces 2 heures que je dois passer dans la prière. Parfois, il me semble que ça dure 4 heures et franchement, je redoute ce moment. Je suis en train de passer un moment merveilleux à étudier la parole, à prier et communier avec toi et je redoute ces 2 heures où je dois me mettre à l'écart et je dois me forcer à parler. » Et j'ai confessé cela à Dieu et je lui ai dit, « Je suis vraiment désolé, mais c'est ce que je pense. » Et le Seigneur m'a répondu en disant, « Ne t'inquiète pas, Andrew. Moi aussi, j'appréhende ce temps de prière, même 30 minutes avant que tu ne commences à prier. » Dieu n'aime pas non plus ce genre de prière. Les gens diront souvent, « Peux-tu me rajouter à ta liste de prières ?» On ne trouve pas de liste de prières dans la Bible.
Est-ce que je suis en train de dire que les listes de prières sont du diable? On ne trouvera pas forcément un passage dans la Bible qui dit quoi que ce soit à l'encontre des listes de prières. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que chaque jour, il faut parcourir cette liste et mentionner le nom de chaque personne. Et ils font ces prières encore et encore et encore, comme s'il fallait bombarder le ciel. Au cours de cette série, je vais m'opposer à ces pratiques et vous montrer que Dieu aime les personnes pour lesquelles vous intercédez plus que vous ne les aimez. Et vous n'avez pas besoin de tordre le bras de Dieu ou de le supplier en pensant pouvoir ainsi l'obliger d'une manière ou d'une autre à aimer ces gens autant que vous les aimez. À mes débuts dans le ministère, mon cœur était bien disposé, mais mes raisonnements étaient faux. Je suivais le modèle qu'on m'avait enseigné, et nous avons commencé à supplier et implorer Dieu pour un réveil, parce qu'on m'avait appris que c'était ainsi qu'il fallait faire les choses. Je ne suis pas contre les réveils. L'Amérique ainsi que le monde entier a besoin d'un réveil. Je suis totalement pour le fait de voir une œuvre surnaturelle de Dieu. Mais la manière dont on nous a enseigné à prier pour le réveil en disant qu'il faut rassembler des centaines, des milliers ou même des millions de personnes pour prier et mettre la pression sur Dieu et ne rien lâcher tant qu'il n'aura pas libéré sa puissance est un concept absolument faux. En réalité, cette manière de procéder vous est préjudiciable et elle est également préjudiciable à votre relation avec Dieu. Et au cours de cette série, je vais également m'opposer à ce genre de pratique. Je vais également contrer la manière dont on parle de l'intercession de nos jours. Mais lorsque j'ai débuté dans le ministère, on m'avait enseigné toutes ces choses, comme quoi il faut forcer Dieu. Il faut s'accrocher et ne rien lâcher jusqu'à ce que Dieu nous donne ce que nous voulons. C'est une attitude déplorable et attristante. Mais c'est l'attitude que j'avais à l'époque. On m'avait enseigné ces choses, et donc j'ai commencé à prier, et un jour je me suis entendu dire quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je priais pour la ville d'Arlington, au Texas. J'habitais là à l'époque, et donc j'intercédais, je suppliais Dieu de toucher les gens et de sauver des âmes tous les jours de ma vie. Et j'ai prié afin de voir une œuvre puissante de Dieu, et ainsi de suite. Un jour, je criais à Dieu, je le suppliais, et je me suis entendu dire, « Dieu, si tu aimais les habitants d'Arlington, au Texas, au moins à moitié autant que je les aime, il y aurait un réveil. » Et dès l'instant où j'ai dit cela, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui sonnait vraiment faux dans ce que je venais de dire. J'étais en train de dire que j'aimais les gens plus que Dieu ne les aimait. Et je désirais voir des vies touchées et transformées, et je ne voyais pas les gens se tourner vers Dieu. Donc j'en ai conclu que c'est Dieu qui ne répondait pas à mes prières et qu'il fallait donc que je prie plus longtemps et avec plus de détermination. C'est alors que j'ai commencé des nuits entières de prières et que nous avons commencé à bombarder les portes du ciel et nous avons supplié Dieu d'agir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de prière finira par vous épuiser. Cela deviendra très difficile pour vous. Il s'agit en fait d'une critique ou d'un reproche à l'égard de Dieu. Un jour, une femme est venue me voir et elle m'a dit « Cela fait 20 ans que je prie pour mon mari. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et pourtant, Dieu n'a pas répondu à mes prières. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prier pour mon mari? Peut-être que Dieu pourra répondre à vos prières. » Il y en a parmi vous qui pensaient qu'il n'y a rien de mal à ce genre de prière, mais lorsque cette femme m'a dit cela, je lui ai répondu « Je ne vais pas prier pour votre mari. » Elle s'est immédiatement offusquée en me disant « Pourquoi ne voulez-vous pas prier pour mon mari ?» Je lui ai tout simplement répondu « Je ne veux pas m'accorder dans la prière avec vous parce que votre attitude envers Dieu est méprisable. Vous insinuez que Dieu pourrait sauver votre mari en un claquement de doigts, que s'il le désirait, il pourrait tout simplement forcer votre mari à être sauvé. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. » Romains 10, 17 dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Jésus nous a dit de prier afin que des ouvriers soient envoyés sur le chemin de ces personnes. Je lui ai donc dit, il y a une bonne et une mauvaise façon de prier. Vous priez comme si vous ne pouvez rien y faire, comme si personne d'autre, ni même votre mari, ne peut faire quoi que ce soit. Tout est entre les mains de Dieu, et donc il faut le supplier. Vous pensez que puisque votre mari n'a pas été sauvé après 20 ans de prière, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, Dieu n'est pas motivé pour le sauver. Vous pensez que moi, je peux faire basculer les choses dans la bonne direction, que je vais peut-être pouvoir motiver Dieu plus que vous n'avez pu le faire. C'est vraiment une attitude méprisable. Dieu aime votre mari bien plus que vous ne l'aimez. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu et le supplier de le sauver, comme si Dieu était désintéressé et que si ça ne tenait qu'à lui, il les laisserait tous aller en enfer. Non, ce n'est pas vrai. Dieu aime les personnes pour lesquelles vous priez plus que vous ne les aimez. La prière n'est pas une opportunité de supplier et implorer Dieu en essayant d'une manière ou d'une autre de forcer Dieu à être aussi saint, aussi compatissant et bon que vous. En agissant de la sorte, et c'est d'ailleurs la manière dont la prière est pratiquée la plupart du temps, mais en priant ainsi, vous essayez de motiver Dieu, de le forcer à faire quelque chose qu'il ne ferait pas
si vous n'étiez pas là. Lorsque vous abordez la prière de cette manière-là, c'est une gifle à la face de Dieu. C'est une insulte envers Dieu. Vous êtes en fait dans l'incrédulité. Et cela vous fait du tort et vous n'allez pas être efficace. La prière est un domaine qui a vraiment été très, très mal représenté. Je n'en suis qu'à l'introduction, mais permettez-moi de rajouter quelque chose avant d'entrer dans plus de détails. Il y a des personnes qui glorifient la prière, ils parlent de la prière, ils enseignent au sujet de la prière, et ils disent qu'il faut prier, qu'il faut faire tout un tas de choses. Je suis moi-même en train d'enseigner au sujet de la prière en ce moment même. La prière a toute sa place dans nos vies. Mais il y a beaucoup de personnes qui glorifient la prière et pas ce que la prière accomplit. À mon sens, la prière est comme un véhicule. Je possède une voiture qui m'a amené depuis chez moi jusqu'à mon bureau afin de pouvoir enregistrer cette émission aujourd'hui. Et c'est une belle voiture avec de beaux équipements. Et je l'aime beaucoup. Mais la voiture est juste un outil. Ce qui est important, c'est ce que je peux faire avec cette voiture. Je ne passe pas mon temps à glorifier ma voiture ou à répéter sans cesse à quel point je l'aime. Non, j'aime simplement ce que je peux faire lorsque je monte dans mon véhicule. Les endroits où il me permet d'aller, j'aime rouler avec, et ainsi de suite. De la même manière, il y a ceux qui ne font que parler au sujet de la prière. Et je pense que la prière n'est pas vraiment le sujet central, c'est la relation avec Dieu qui est le sujet essentiel. La prière, c'est tout simplement le fait de communier avec Dieu, de parler avec Dieu. La communication avec lui. Le fait de parler avec Dieu est une partie importante de notre relation avec lui. Mais je ne glorifie pas la prière. Je glorifie avant tout ma relation avec Dieu et la prière, ce temps de communion avec Dieu, est une partie importante de ma relation avec Dieu. Mais je ne mets pas l'accent sur le véhicule que j'utilise. Je parle plutôt de ce qu'il peut accomplir. Et en ce qui me concerne, la relation avec Dieu, le fait de passer du temps dans sa présence et d'entretenir une relation intime et personnelle avec lui sont très importants. Et la prière est simplement le véhicule qui me permet de m'y rendre. Et je vais relire le passage dans Matthieu chapitre 6, verset 5, où Jésus dit « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » De nombreuses personnes prient parce que la prière leur donne un sentiment d'influence à leurs propres yeux. Et alors qu'ils en parlent avec les gens autour d'eux et qu'ils se vantent, les gens sont impressionnés par le temps qu'ils passent dans la prière et tout ce qu'ils font. Mais nous venons de lire à l'instant qu'il est écrit « pour être vu des hommes ». Et la deuxième partie du verset 5 dit « Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense ». Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que cela fait référence au fait que lorsque vous vous vantez devant les hommes en disant « Je viens de passer une heure à prier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et je prie tous les jours, je me discipline, je me lève à 5 heures tous les matins », la petite tape que vous recevez dans le dos de la part des hommes qui vous diront à quel point vous êtes merveilleux sera votre seule récompense. Cette faible reconnaissance, le fait que les gens pensent que vous êtes merveilleux sera votre récompense. Vous ne recevrez rien de la part de Dieu et vos prières ne seront pas vraiment efficaces. Si vous êtes en train de prier pour être acclamé des hommes afin de vous vanter, de vous enorgueillir de tout ce que vous faites, alors cette toute petite satisfaction que vous recevrez de la part des hommes sera votre récompense. Je suis à court de temps aujourd'hui, je vous propose ce livre intitulé « Une meilleure manière de prier » et je vous encourage à nous contacter. Procurez-vous cet enseignement en livre, en CD ou DVD. Et si vous écoutez notre annonceur, il vous donnera plus d'informations. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22€. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15€. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30€. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région.
Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis qui a été inscrit dans le cœur de Dieu bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissances. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.